Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Tout vient de toi, tout part de toi et tout est en toi. Une fois de plus, un jour nouveau se lève et des grandes bénédictions nous attendent. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, vous avez vos stylos, vos cahiers, vos bibles. Le titre du message d'aujourd'hui, la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Vous connaissez ce passage, non? Souvent les chrétiens ont pour habitude de dire, avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement, n'est-ce pas? Nous, on a l'habitude de réciter ce verset-là, parce que, c'est-à-dire quand nous voyons les situations difficiles, nous récitons ça pour nous encourager, parce que nous savons que, avec Dieu, nous ferons toujours des exploits et que la fin vaut mieux que le commencement. N'est-ce pas? Voilà, donc, la fin vaut mieux que le commencement. Donc, c'est ce que nous avons coutume de dire, c'est ce que nous avons coutume de répéter. On va lire Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Donc, dans d'autres versions, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous savons qu'avec Dieu, la fin est toujours meilleure. N'est-ce pas? Donc, la fin vaut mieux que le commencement. Le Seigneur lui-même, il a dit quoi? Les projets que j'ai pour vous, depuis le commencement, c'est des projets de bonheur, de paix, de succès. Mais il dit projet. N'est-ce pas? Il dit projet. Ça veut dire quoi? C'est avec un terme, n'est-ce pas? Un long terme, un court terme. Dans tous les cas, il dit que les projets que j'ai pour vous, c'est des projets quoi? De bonheur, de succès, de paix et de tout. Donc, avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Parce que les projets de fin qu'il a pour nous, c'est de bons projets. Projets de bonheur, projets de paix, projets de succès, projets de victoire. Donc, certainement, avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Donc, quand on dit la fin est meilleure, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'à la fin, il y aura la victoire, n'est-ce pas? On dit la fin vaut mieux que le commencement. Donc, quand on dit que la fin est meilleure, cela suppose qu'à la fin, on aura la victoire. À la fin, on aura quoi encore? On sera, c'est-à-dire on aura le succès, n'est-ce pas? À la fin, on sera dans la joie. À la fin, on aura la paix. À la fin, on aura tout ce que nous voudrions avoir tout de suite. N'est-ce pas? Cela suppose qu'à la fin, tout ce que nous recherchons là, nous l'aurons avec Dieu. Donc, le bonheur, la joie, on sera dans la gloire, tout sera merveilleux. Parce que la fin est meilleure que le commencement. C'est pour ça que quand il y a une balance entre la fin et le commencement, il nous dit que la fin vaut mieux que le commencement. La fin est meilleure que le commencement. La fin sera plus agréable que le commencement. La fin sera glorieuse. Il nous-même le dit, que c'est pour nous emmener dans la gloire. N'est-ce pas? Il dit même, il dit qu'à la fin encore nous serons parfaits. C'est-à-dire nous sommes dans un système de perfectionnement. Mais on atteindra cette perfection qu'à la fin. N'est-ce pas? Donc, avec Dieu, la fin sera merveilleuse, la fin sera glorieuse, la fin sera agréable, la fin vaudra mieux que le commencement en comparaison. Mais quand tu dis que la fin vaut mieux que le commencement et que la fin sera agréable, la fin sera merveilleuse, la fin sera glorieuse, donc le commencement sera comment? Il faut pouvoir comparer. N'est-ce pas? Donc, le commencement, évidemment, ne sera pas glorieux. Sinon, ce sera le commencement vaut mieux que la fin. Mais c'est arrivé pour certaines personnes, hein, où le commencement était tellement beau à voir, ils ont oublié que la fin allait arriver. Quand ils se sont réjouis du commencement, ils ne savaient pas que c'était un projet et qu'il y avait un parcours. Et qu'il y avait des conditions à remplir. Et qu'il y avait des attitudes à avoir pour que la fin soit meilleure. Plus glorieuse que celle qui a commencé. Ils se sont réjouis au départ en s'oubliant que tout commence et tout se termine. Dans toute chose là, il y a un commencement et puis il y a une fin. La vie là, il y a un commencement et puis il y a une fin. Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga.
N'est-ce pas? Il est le commencement et il est la fin. Donc quand il dit que la fin sera glorieuse, donc le commencement sera difficile. Ce sera avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de sacrifices. Parce que quand on va comparer à la fin sera meilleure que le commencement. Donc si toi tu veux commencer tout de suite dans le bonheur, de toute façon il y a deux cas. C'est que le commencement sera bon et la fin, tu seras en tapette. Vous ne connaissez pas des gens aujourd'hui qui ont été des grands ministres et tout ça, qui avaient ces voitures, tout ce qu'il y a de mal. Ils ont brillé ici. Mais aujourd'hui, quand on examine leur fin, on a pitié. Alors que Dieu dit que pour lui, c'est le contraire. Donc, pour lui, c'est le contraire. Tout ce qu'il y avait de beau, les belles fêtes, enfin, comme on dit, l'opulence, c'est-à-dire que la joie, c'est-à-dire s'éclater. C'est-à-dire quand il commence tout de suite, hein, tout doit choc. Mais il oublie. Il y a une comparaison qui va se faire entre la fin et le commencement. Parce que tout ce qui a commencé là, forcé, la fin va arriver. Forcé, la fin va arriver. Mais quelle sera la fin? C'est pour ça qu'il dit quoi? La fin vaut mieux que le commencement, veut dire quoi? Si tu es intelligent, pendant que tu commences, tu vas penser à la fin. C'est-à-dire que pendant que tu commences, tu vas penser à comment finir. Pour que ce que la parole de Dieu a dit là, soit vrai dans ton cas. Il dit la fin vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire quoi? Organiser la fin vaut mieux que se réjouir dans le commencement aujourd'hui. Planifier la fin, réfléchir à la fin, vaut mieux que le commencement. Planifier la fin, parce que c'est une question de vision. C'est une question de vision. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, il faut voir quelle sera la fin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'est le problème. Mais quelle sera la fin? Et quels sont les moyens que tu dois pouvoir utiliser pour atteindre la fin et une bonne fin? Je dis aujourd'hui, quand on voit la situation de certaines personnes, on ne peut rien faire. Le temps est déjà passé. C'est-à-dire, le délai que Dieu t'a donné pour exécuter la tâche, hein, n'est-ce pas? Le temps, les années qu'on t'a donné pour pouvoir te réaliser, c'est déjà passé. C'est-à-dire pour toi, le compteur est tombé, la fin est arrivée, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus retourner derrière. Tu as eu le temps de commencer et ta fin est arrivée, c'est le résultat que tu reçois. Donc il dit la fin vaut mieux que le commencement. Donc si la fin est agréable, la fin est glorieuse, le commencement sera difficile. C'est pour ça que si tu as une situation difficile et compliquée, tu dois te réjouir parce que tu es au commencement. Le commencement est difficile. Jésus lui-même, il est né dans une étable. Dans une situation difficile, il n'y avait personne pour l'accueillir. Il n'y avait aucune place pour le recevoir sur la terre. N'est-ce pas? Il a commencé dans une situation difficile. Les choses n'étaient pas faciles. Mais il allait pour quoi? Pour la gloire. Donc tu ne peux pas te réjouir. C'est-à-dire, on ne peut pas se réjouir indéfiniment. N'est-ce pas? Il y aura un temps pour ça. Ça, c'est le deuxième temps. Dans le deuxième règne, n'est-ce pas? Voilà, il y aura un temps pour ça. Mais le monde dans lequel on est maintenant, là, il y a un commencement et puis il y a une fin. Et le commencement est difficile. Le commencement est pénible. Le commencement n'est pas brillant. N'est-ce pas? Le commencement n'est pas forcément... C'est peut-être insignifiant. Comme quand Jésus naissait. Personne ne savait où il allait et ce qu'il allait devenir. Mais il allait pour quelque chose de glorieux. Parce qu'avec Dieu, la fin doit valoir mieux que le commencement. Donc si aujourd'hui, la situation n'est pas telle que tu veux, et que la situation est pénible, qu'elle est difficile, qu'elle est compliquée, sache que tu es au commencement. Et quand tu connais Dieu, et que tu sais qu'à la fin ce sera glorieux, tu te réjouis. Parce que là tu es un homme de vision. C'est-à-dire, les circonstances ne peuvent pas t'effrayer. Tu ne peux pas être embarrassé par ce que tu vois. Parce que tu sais qu'avec le Dieu que tu as, ta fin sera toujours meilleure que le commencement. La situation, je dis quoi?
peut-être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est un parcours. On n'est pas sédentaire dans une mauvaise situation. La chose évolue et ça avance parce que tous les jours que Dieu fait, le compteur tombe. Un an tombe dessus, deux ans tombe dessus, trois ans tombe dessus. Si c'est cinq ans, même position, ça, tu n'es pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est un cheminement, c'est un parcours et c'est une progression vers une bonne fin. Donc, tu dois pouvoir, année après année, faire le bilan et puis voir si la vision est en train d'être atteinte dans le bon sens. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Quand un homme grandit là, quand il naît bébé, c'est pour grandir. Il ne grandit pas et puis il ne devient pas petit. Quand un arbre sort de terre, il progresse, n'est-ce pas? Mais il ne grandit pas et puis il ne devient pas petit. On va progressivement et sûrement avec le Seigneur. Parce que la fin, c'est pour devenir grand. La fin, c'est pour pouvoir s'étendre, c'est pour pouvoir exploser. Donc, on commence, on se donne un point de départ, qu'on appelle ça, c'est mon commencement. On est heureux d'être dans son commencement. On se réjouit d'être dans son commencement. On est patient dans son commencement. Parce qu'on est convaincu que notre fin sera glorieuse. On ne regarde pas le commencement de quelqu'un qui brille pour vouloir briller tout de suite comme lui. Parce que briller tout de suite, sa fin sera pire que son commencement. Donc tu ne regardes pas, tu ne programmes pas ta vie en fonction de lui qui a commencé dans la gloire. Parce que celui qui a commencé dans la gloire, tu ne sais pas comment il va terminer. Mais celui qui a commencé dans les difficultés, s'il est avec Dieu, au moins tu es sûr et certain qu'il finira dans la gloire. Donc il y a un temps où tu appelles ton commencement. Et il y a un temps où tu vas atteindre ton objectif, c'est-à-dire le but pour lequel tu es né. La chose est une question de vision. Il y a une vision. Il y a une vision, il y a un objectif. Est-ce que toi, tu as une vision? Parce que pour que la fin soit meilleure au commencement, il doit y avoir une progression. C'est-à-dire, on part de petit, moyen, jusqu'à ce que... Donc, il y a une vision pour voir où on va, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va atteindre. Donc, quand on parle de vision, on parle d'objectif à atteindre. On parle de programme. Et quand on parle de programme, on parle de planning, de planification, de plan. Est-ce que toi là, tu as un programme? Ou bien toi quand tu te lèves le matin, c'est le matin. Tu vis comme ça, c'est le matin. Et les courses à gauche, à droite. Pas de plan, pas de planning, rien. On t'appelle ici, ah bon je m'en vais là. Quand celui-là t'a téléphoné, tu es ici à droite. Quand il a t'appelé, tu es ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Il n'y a pas de vision, donc il n'y a pas de plan. La vie est sans vision. Donc même quand tu reçois un peu d'argent aujourd'hui qui doit être peut-être un fonds de commerce ou un capital, n'est-ce pas? Dieu peut permettre que tu reçoives quelque chose aujourd'hui. Au lieu que ce soit pour toi un capital, pour aller investir dans une vision, pour planifier une bonne fin, tu manges tout, tu écrases tout, tu manges la racine et les herbes. C'est-à-dire le noyau même la dîme là, ça n'en parle pas. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas de vision en fait. Donc tu vis au jour le jour, n'est-ce pas? Quand ça tombe ici, c'est grillé. Et tous les jours tu es là, le même. Et tu attends toujours quelqu'un. Tu attends toujours qu'on te donne. Pourtant Dieu a fait que depuis que tu es là, on t'a donné beaucoup. Si tu avais eu un bon programme, que tu avais fait une bonne planification, avec un plan que tu accomplis au jour le jour, où tu ne dépenses pas tes heures, tu ne gaspilles pas tes heures à bavarder inutilement, à te promener inutilement, tu serais en train d'avancer avec un projet avec Dieu. C'est une vision qu'il faut avoir avec Dieu. On dit la fin vaut mieux que le commencement. Ah oui, avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Mais si tu te réveilles le matin, il n'y a pas de plan. Eh, ta fin là, il faut faire attention. On dit avec Dieu, parce que Dieu a des principes, hein? Parce que Dieu a une manière de faire. N'est-ce pas? Dieu a une manière d'opérer. Quand on dit avec Dieu là, ça veut dire qu'auprès de Dieu, tu vas apprendre comment faire pour réussir. Sinon, ce n'est pas magie. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu es avec Dieu. Écoute, si tu es avec Dieu, que tu n'utilises pas les principes de Dieu, tu n'es pas avec lui. On n'a pas dit de venir s'asseoir,
dire je suis avec Dieu et puis de faire ton propre plan. Non. Quand tu dis tu es avec Dieu, ça veut dire tu es d'accord avec Dieu, tu es d'accord avec le plan de Dieu, tu es d'accord avec la manière de faire de Dieu et tu copies ce que Dieu dit de copier pour réussir. C'est ça pourquoi on dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. C'est ça ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est récitation. Je vous ai déjà dit que la parole de Dieu là, ce n'est pas à réciter. C'est vrai, elle est à proclamer et réciter pour que ça reste. Mais après avoir récité, il faut agir conformément à ce qui est écrit. Donc si tu te bornes à écouter la parole de Dieu, que tu ne cherches pas à pratiquer la parole de Dieu, ta fin ne vaudra pas mieux que ton commencement. Ce n'est pas récitation, c'est pratique de la parole. Donc je dis, c'est une vision, c'est un planning, c'est un programme qui est suivi au jour le jour. Qui est suivi au jour le jour. Quelquefois, certaines personnes, bon, n'arrivent pas vraiment à m'avoir souvent. N'est-ce pas? Tous les jours que Dieu fait, j'ai des actions à mener. J'ai des programmes à exécuter. J'ai des choses à faire. Donc, quand j'ai bouclé la journée avec les programmes à réaliser, tu ne peux pas venir me distraire si toi tu n'as rien à faire. Excusez-moi, hein? Mais il faut que vous sachiez la vérité. Amen. Vous ne pouvez pas vous laisser conduire. Vous devez conduire. Donc, le programme que tu as pour la journée, finalement, tu finis la journée et non accompli. Premier jour, la journée est finie. La journée, c'est 24 heures, n'est-ce pas? Et de 6 heures à, je sais pas, 18 heures, il y a combien d'heures? Il y a 12 heures. Et dans tout ça, tu dois faire un bon plan. Donc, si tu gaspilles ce temps-là à écouter les commérages, donc, le temps, ça doit être programmé. Tu dois être programmé. Ta vie doit être programmée. C'est vrai que dans le programme, nous sortons un peu de temps pour nous occuper de certaines activités de nos enfants et tout ça. Mais je ne vais pas prendre toute ma journée à attendre que toi, tu m'appelles pour me raconter une histoire pour que je cours après toi. J'ai un programme. On trouvera que... Oui, bon... On trouvera ce qu'on trouvera, mais on verra que le bateau avance. C'est le plus important. N'est-ce pas? Parce que ça doit avancer. Si tout le monde se permet d'aller à gauche, à droite, qui va faire avancer certaines choses? Donc, c'est un programme. La vie doit être programmée. Surtout quand on est deux, l'un fait ça et l'autre fait l'autre. On ne fait pas la même chose. De sorte à ce que quand on met les deux efforts ensemble, on voit que la chose évolue. Donc, tu dois avoir un programme. Dieu dit que ta fin doit être meilleure que ton commencement. Donc, tu dois avoir la vision que tu poursuis. Et tous les jours que Dieu fait, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan. Tu te réveilles le matin, tu dois avoir un plan. La journée, les 24 heures, ça doit être utilisé à quelque chose pour te faire avancer. Tu entends comme ça de programmer ta fin. Sinon, jour après jour, tu vas te réveiller, tu as 50 ans. 50 ans, rien réalisé. Quand tu regardes autour, il n'y a rien. Tu es encore en train d'espérer que quelqu'un te donne quelque chose. Après 50 ans, toi, on doit te couper puis te jeter au feu. Mais le Seigneur a dit quoi? L'arbre qui ne produit pas de fruits, on le coupe et on le jette au feu. Parce qu'après 50 ans qu'il t'a planté, si tu ne peux pas produire, tu es bon à être jeté au feu et brûlé. N'est-ce pas? Parce que tu es inutile. Tu ne peux rien produire. On dit infructueux, n'est-ce pas? Voilà, tu ne produis rien. Quand on regarde ton bilan, ça n'avance pas devant, ça ne recule pas derrière. Tu n'as pas bilan. Ça dit toi-même, tu ne t'inquiètes même pas de ton bilan. La vie est belle. Aujourd'hui, c'est il fait jour. Tu es réveillé. Oh, gloire à Dieu, je suis debout. Il ne s'agit pas d'être debout seulement. Parce que tu es debout, alors tu dois accomplir des choses pour avancer. Quel est ton bilan journalier? Quel est ton bilan hebdomadaire? Quel est ton bilan dans le mois? Quel est ton bilan annuel? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu évolues? Est-ce que tout grandit autour de toi? Est-ce que tu t'étends? Parce qu'on va vers une croissance, donc on dit exponentielle. N'est-ce pas? Mais pour toi, c'est comment? C'est comment?
Parce que ta fin est supposée être meilleure que le commencement. Donc je disais que tout a une fin. La vie même a une fin. Vous le savez, non? La vie se termine par la mort. Donc pendant que tu vis là, sache que un jour la mort va venir. Certains s'oublient. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils vivent. Ils oublient qu'un jour, il y aura la mort. C'est-à-dire, pourquoi l'homme aime se blaguer comme ça? Je ne sais pas, l'homme a, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer. Tu oublies qu'un jour, il y aura la mort. Donc, le temps qu'on t'a donné là, il faut que tu sois effectif. Et surtout que tu ne sais même pas combien de temps on t'a accordé. C'est lui seul qui détient le temps. Mais le peu de temps qu'il t'a donné, si c'est 70 ans, 100 ans, il a dit 70 ans, mais 120 ans. Ok, pendant ce temps-là, il faut accomplir des choses. Et le temps qu'il a donné là, ça se subdivise en secondes. Donc les secondes que tu es en train de gaspiller, tu es en train de gaspiller le temps qui va finir bientôt. Il ne faut pas gaspiller ton temps. Les réunions inutiles, il faut les supprimer de ton calendrier. Les réunions inutiles, parce que c'est du temps perdu. Quand on dit temps perdu, là, c'est ça. Parce que dans le package de temps que tu as pour réaliser, il y en a que tu vas perdre. Il y en a beaucoup qui vont perdre trois quarts de temps. Temps perdu, trois quarts. Et temps à se réaliser, un quart. Et les réalisations, comment tu vas les... Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, est-ce que dans ta journée, tu as combien de temps perdu et combien de temps qui ont produit? Combien de temps d'efficacité? N'est-ce pas? Combien de temps tu t'es arrêté à regarder le ballon? Ou bien à commenter quelque chose? À faire le, c'est-à-dire le commentateur pour parler puis on rit? Combien de temps tu mets dedans? Bon, enfin, si c'est un métier, c'est que tu évolues. Mais si ce n'est pas un métier, que ça ne rapporte rien, c'est du temps perdu. Et ce temps perdu-là, tu ne pourras jamais le rattraper. Il est fini, on passe à autre chose. Un autre jour vient. Le jour-là, on ne va pas derrière. Quand on dit c'est hier, hier ne va jamais devenir demain. Après hier, c'est aujourd'hui. Après aujourd'hui, c'est demain. Et puis on avance. Donc le temps gaspillé doit être réduit. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Et il faut mettre à profit tout le temps que Dieu te donne pour arriver à une bonne fin. Donc la vie a une fin. La vie va se terminer un jour. Même, il dit quoi? Le monde même que Dieu a créé, n'est-ce pas, aura une fin. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Ce monde-là aura une fin. Puisque après, il va créer un autre monde. Mais ce monde dans lequel nous sommes aura une fin. Lisons Matthieu 13, 49. Quand tu vis, il faut te souvenir qu'il y aura une fin. Tout ce que tu entreprends, il y aura une fin. Matthieu chapitre 13, le verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Amen. Amen. Donc, il dit quoi? Il y aura la fin du monde. Dieu nous dit déjà, le monde dans lequel nous sommes là, il y aura la fin. Si toi tu vis, tu crois qu'il n'y aura pas de fin du monde, gloire à Jésus. Dans tous les cas, ça va te trouver. Et quand on va faire les bilans, tu verras. Si ça vaut mieux que le commencement, si c'est pire que le commencement, ce que tu as programmé et planifié là, c'est ça que tu vas avoir. Parce que l'homme récolte ce qu'il aura semé. Les principes sont clairs. Comme on dit, ces versets-là. Amen. Donc, il y aura la fin du monde. La vie a une fin. Lisons Ecclésias 7, verset 2. Ecclésias chapitre 7, le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Amen. C'est-à-dire la fin de tout homme, quoi, c'est quoi? C'est la mort. Et celui qui vit, il a ça dans son cœur. C'est-à-dire il ne s'oublie pas. Il prend la chose à cœur pour dire, tout ce que je suis en train de faire là, un jour, je vais devoir abandonner tout ça pour quelqu'un, pour les enfants ou bien quoi. Donc, je fais des programmes en conséquence. Je ne serai pas éternel. Donc, après moi, il faut qu'il y en ait d'autres que je commence maintenant à former pour pouvoir faire avancer l'entreprise, par exemple. Donc, je ne m'assois pas là, je ne bloque pas la vue à tout le monde pour dire, non, après moi, c'est personne ne doit faire autre chose, c'est moi. Non, tu t'oublies.
Dans ton cœur, tu dois savoir qu'après toi, il y aura d'autres qui vont continuer la chose. Tu n'es pas éternel. Personne n'est éternel. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, quand vous êtes à l'église, c'est l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Vous devez être des enfants qui progressent, qui grandissent et qui continuent l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas rester éternellement bébé après 5 ans de chrétienté. Tu ne peux même pas t'asseoir là pour diriger, pour dire un mot. Pour faire, on dit, viens faire rhapsodie, tu as honte. Donc, quand on rentre pour évoluer. Ça dit tous les jours, papa n'est pas venu, maman n'est pas venu, qui va faire la rhapsodie? Il n'y a personne pour diriger. Tu es là, il y a 5 ans. Hein? Il y a peut-être 9 ans ou 5 ans, tu es là. C'est-à-dire, depuis toi, tu es là, là. Tu ne peux pas te lever pour dire, ah, papa n'est pas là, maman n'est pas encore arrivée, je vais faire la rhapsodie. Tu vois? C'est-à-dire que tu as mis ton temps à profit, tu as étudié les passages, tu as lu, tu as progressé. Tu deviens maintenant un homme. Mais toi, 10 ans, tu viens toujours à l'église, tu es assis. En fait, si ta vie spirituelle ne progresse pas là, ne crois pas que ta vie physique là, elle progresse. Hein. Tu te blagues. Parce que c'est le spirituel qui soutient le physique. Donc si tu restes 100 ans assis sur les bancs, ta vie que tu es en train de programmer là et de planifier, parce qu'en fait elle est planifiée sans Dieu, sans la parole de Dieu, parce que tu ne la connais pas. C'est pour ça que tu as peur de la déclarer. Donc tu la programmes seule. Et de toute façon, tu es en train de faire seul là. Tu vas voir la fin. Amen. Avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Commence à étudier la parole de Dieu. Commence à lire la rhapsodie. Commence à étudier la Bible et à marcher avec Dieu en pratiquant sa parole et en grandissant spirituellement pour que tu grandisses bien aussi physiquement. Il ne faut pas penser que tu grandis. Alors que le spirituel ne grandit pas, ça va retomber un jour. C'est-à-dire, quand le physique veut retomber, il ne te prévient pas. Hein? Un bon matin, tu es là, tout s'écroule autour de toi. Tout ce que tu as cru bien faire et bien construire, tout va tomber en un jour. Parce que le spirituel n'a pas soutenu toutes les actions posées. Donc, tout a été posé selon l'intelligence humaine. Programmé selon la chair. Donc ça retombe parce que selon la chair, le commencement vaut mieux que la fin. Mais selon Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Donc la fin est difficile. Mais nous sommes sûrs et certains et nous sommes dans la joie parce que nous sommes heureux, nous savons où nous allons. La vie a une fin. Les relations ont une fin. Tout a une fin. Les relations aussi ont une fin. Les relations humaines ont une fin. Aujourd'hui, tu peux être avec un ami. Il y a des amis qu'on a laissés il y a très longtemps. Hein. Je ne sais même pas où ils sont maintenant. Donc aujourd'hui, ne te colle pas pour dire c'est mon ami, c'est mon ceci, c'est la vie, c'est ceci. Il faut que ça progresse certainement. Mais avec les critères, la manière de faire de Dieu. Même le mariage, ça a une fin. N'est-ce pas? Le mariage n'a de fin que lorsque Dieu prend le conjoint. Ça a une fin. Quand Dieu lui-même prend le conjoint. Mais il dit, nous-mêmes, nous ne devons pas mettre fin à ce mariage. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce n'est pas l'homme qui met fin au mariage, c'est Dieu qui met fin au mariage en enlevant l'un des conjoints. N'est-ce pas? Donc, dans le mariage, il ne devrait pas avoir de fin. Parce que tout ce que nous faisons, c'est une entreprise. Le mariage est une entreprise. Donc, quand le mariage échoue, en fait, c'est entreprise échouée. N'est-ce pas? Quand le mariage atteint le divorce, ça veut dire quoi? Tu as échoué dans l'entreprise du mariage. Parce que le mariage est une entreprise qui commence par la rencontre, ensuite ça va produire des enfants, ça va produire des biens, ça produit des petits-enfants. C'est par mariage d'Adam et Ève qu'aujourd'hui on est rempli comme ça sur la terre. C'est une entreprise. Et si ce n'est pas avec Dieu, elle peut échouer. Mais si c'est avec Dieu, elle sera meilleure à la fin plutôt qu'au commencement. Parce que quand on commence, les ingrédients de Dieu qu'on va mettre dedans vont permettre à ce que la chose soit agréable et qu'elle se termine dans la joie. Quand pour Dieu c'est la sincérité là, ça ne commence pas dans la gloire. Les difficultés sont là, on les voit, mais on les surmonte, on les surpasse. N'est-ce pas? Avec Dieu, la patience. Avec Dieu, l'endurance. Mais sinon, pourquoi Dieu te dit d'être endurant? Mais c'est parce que la fin vaut mieux que le commencement et le commencement est difficile.
Donc il te dit quoi? La patience, l'endurance, le pardon, la tempérance. Il te dit tout ça là pour t'équiper, n'est-ce pas? Pour te forger, pour que tu puisses surpasser, surmonter les difficultés. Sinon vous pensez qu'une société de 20 ans, il n'y a pas eu de problème? Demande aux sociétés qui existent, qui ont fait 20 ans, ils vont te donner leur histoire. Il y a eu des moments très difficiles où on ne pouvait pas payer les employés, où on voulait même fermer. Mais Dieu soutient parce que nous avons la foi, nous avons l'assurance, nous avons l'endurance, nous avons la force. C'est-à-dire, rien ne peut nous ébranler. Même les circonstances négatives ne peuvent pas nous ébranler parce que nous avons une vision. Donc le mariage est une entreprise. Aujourd'hui, les jeunes qui sont là, c'est-à-dire quand tu vois, oh, je vais me marier, elle est jolie, elle est ceci, mais tu t'en vas pour des années. C'est pas une petite affaire, hein? Et puis non seulement ça, non seulement c'est pour des années, mais vous êtes venus de deux horizons différents, avec des comportements différents. C'est-à-dire, lui, quand il dort, il veut éteindre la lumière. Quand toi, tu dors, tu vas allumer. C'est l'entreprise la plus difficile, je pense, c'est ça. Parce que non seulement ça, des enfants vont sortir de là et ils vont être impactés d'une bonne vie ou d'une mauvaise vie. Et ça va gâter le monde. C'est entreprise trop difficile, c'est pour ça qu'il faut Dieu dedans. C'est-à-dire qu'il faut la manière de faire de Dieu dedans. Quand je dis Dieu, ça veut dire quoi? La parole de Dieu, les pratiques de Dieu. Donc voilà, un, quand il finit de se laver le savon tout partout sur le mur, il ne lave pas. Tu vas aller te laver, il y a savon partout, tu es énervé. Ah, mais c'est comme ça. Pour lui, là, quand on se lave, on verse l'eau partout, on s'en fout, on verse par terre. Et puis il sort. Ah, pour toi, quand tu te laves là, non, quand tu arrives, tout doit être sec, ça doit être essuyé. Voilà le problème. Mais tu as versé l'eau partout? Il dit, où est l'eau? C'est-à-dire, le mariage, une affaire trop compliquée. Des personnes différentes qu'on met ensemble, n'est-ce pas? Pour pouvoir atteindre une certaine unité, une homogénéité. N'est-ce pas? C'est trop compliqué s'il n'y a pas Dieu. C'est Dieu ce qui peut coller la chose. C'est Dieu ce qui peut coller la chose. Différents, mais ils deviennent un, grâce à Dieu. Différents, mais complémentaires. Et ils deviennent un, grâce à Dieu. Donc, le mariage est une entreprise. Ne pensez pas que c'est la joie, elle est jolie, on va faire fête de mariage et puis c'est fini. Dès qu'on finit la fête, non, vraiment, c'est trop difficile à la maison. Mais ça doit être difficile. Mais c'est le commencement. Qui t'a dit que ça allait être glorieux? Mais ça doit être difficile. Il faut du temps pour qu'on travaille sur vous. Il faut du temps pour que la parole vous transforme. Il faut du temps pour que vous soyez dans la perfection. Chacun est venu avec son mauvais comportement que l'autre ne supporte pas. Donc ça doit être difficile. On ne fuit pas dans ça, on reste. On reste dedans. On est dedans. N'est-ce pas? On est dedans. Puisque la fin vaudra mieux que le commencement. Donc on est dedans. C'est pour la vie. C'est entreprise à vie. Ça c'est jusqu'à ce que Dieu enlève une vie. C'est entreprise à vie. Aujourd'hui, on rentre, on veut courir pour sortir parce qu'on veut le bonheur tout de suite, la gloire, ce qui brille tout de suite. Vous voulez qu'on aille voler pour vous donner. C'est pour la fin, il vaut mieux que le commencement. Je dis quoi? Ce qui brille à côté là, il faut les laisser briller. Tu ne sais pas à quel niveau ils sont. Peut-être c'est le commencement qui brille dans des pratiques, tu ne sais pas. Pour toi là, va doucement avec Dieu et progressivement. Parce que je préfère une bonne fin qu'un commencement qui a brillé. Aujourd'hui, quand tu vois les parents qui n'ont pas de bonne fin, ça fait pitié. Quand ils ont été vraiment dans l'opulence et puis ils sont retombés, ça fait pitié. Mais ceux qui n'ont pas eu et puis aujourd'hui qui vivent bien, c'est merveilleux. Ils sont vraiment heureux, ils sont joyeux, ils sont paisibles. Parce que imaginez-vous que comme la vie a une fin, les forces à un certain moment de la vie aussi diminuent. Donc ce que tu peux accomplir maintenant avec toutes ces forces-là, tu ne pourras plus les accomplir à un certain âge. Donc pendant que tu as encore de la force, il faut accomplir tout ce que tu peux accomplir, il ne faut pas gaspiller le temps. Pour qu'à la fin de tes jours, tu puisses te reposer aussi en paix et que tu puisses profiter de tout ce que Dieu t'a donné. Les forces diminuent.
Oui, moi je ne savais pas. Quand on était jeune, on courait à gauche, on allait partout. Quand on faisait, c'est-à-dire, moi je peux sortir du matin jusqu'au soir sans manger. C'est-à-dire tant que je n'ai pas fini. Mais aujourd'hui là, on est... J'ai dit, mais ça c'est quoi ça là? On ne peut pas bouger. Tu vas, tu fais des coups, tu fais deux ou trois magasins, tu es cassé complètement. Je dis, eh, ça c'est quoi ça encore? Amen. Mais on comprend que, en fait, avec l'âge, la force diminue. Donc, je vous préviens, vous qui avez encore de la force pour accomplir de grandes choses, c'est maintenant qu'il faut les accomplir. Parce qu'un jour viendra, vous allez vouloir accomplir, mais le corps va refuser de suivre. Parce qu'il vous a donné assez de temps pour accomplir ces choses. Donc, il va accomplir certaines choses, mais pas au rythme qu'il pouvait faire pendant que vous étiez encore jeune. Vous ne pouvez plus le faire. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les relations ont une fin, la vie a une fin, le mariage a une fin, mais une fin de Dieu, pas de l'homme. Donc, on est dedans parce que la fin ne brille pas, mais la... non, parce que le commencement ne brille pas, mais la fin va briller. Donc, le mariage, on ne fuit pas les difficultés, on les affronte avec la parole de Dieu. Parce que dans tous les cas, tu quittes A pour aller te joindre à B. Le problème est là-bas. C'est même alphabet, là, il dit. Tu as quitté A pour aller te joindre à B. Tu vas trouver problème là-bas. Partout, il y a quelque chose que tu vas trouver. Donc, il va falloir t'asseoir et puis surmonter. Donc, où tu as commencé là, surmonte-la en même temps. Pour éviter d'être en palabre avec Dieu, il dit qu'on ne divorce pas, on ne divise pas. Tellement tu as aggravé encore ta situation. Donc, reste là et puis évolue dans ça. Pratique ce que Dieu dit. Ça va passer. Ça va finir. Parce que tout a une fin. Quelle que soit la difficulté là, elle va s'arrêter. Elle peut avoir commencé aujourd'hui, mais elle va finir. Avec ta foi, avec ta détermination, avec ton engagement, avec ta prière, elle va finir. Les réalisations aussi ont une fin. Les entreprises ont une fin. Les activités ont une fin. Tout a une fin. Tu peux vouloir entreprendre de grandes choses, n'est-ce pas? Mais un jour, comme je dis, la fin peut être que tu passes à quelqu'un d'autre. Que tu passes, donc tu vas devoir sortir, n'est-ce pas? Pour donner le relais. Donc tu te programmes en conséquence, n'est-ce pas? Donc, les activités ont des fins. Donc, quand tu dois faire une activité, la Bible dit quoi? Il faut t'asseoir et puis calculer et programmer l'activité que tu vas faire pour voir si tu pourras supporter pour atteindre la fin. Tu ne vois pas quelque chose qu'on peut faire et puis tu rentres dedans sans calculer pour voir si tu peux supporter. Parce qu'il y aura une fin. Donc, avant de rentrer dedans, il faut programmer, il faut calculer, il faut analyser la chose. Quels sont tes ingrédients? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Qu'est-ce que tu as comme connaissance sur la chose? Tout ça, tu mets ensemble et puis tu rentres dans quelque chose, tu persévères, tu réussis. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lisons Hébreux 13, 7. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Amen. Amen. Donc, pour réussir, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit quoi? Souvenez-vous de vos conducteurs, n'est-ce pas? Et considérez quoi? Leur fin, n'est-ce pas? Considérez leur fin, c'est-à-dire que voyez la fin de vos conducteurs, examinez un peu comment ils ont vécu et puis imitez leur foi. Imitez leur pratique. Imitez ce qu'ils ont fait pour pouvoir réussir. N'est-ce pas? Souvenez-vous. Et puis, en vous souvenant, ça dit, voyez la fin. Quand tu vois la fin de Paul, il a eu une bonne fin, selon Dieu. Donc, il faut imiter ce qu'il a fait. Comment il a marché avec Dieu? Quand tu vois Abraham, il a eu une fin. Comment est-ce qu'il a marché avec Dieu pour atteindre cette fin? Quand tu vois ton conducteur aujourd'hui, il a eu une fin. Donc, tu te souviens de lui, tu imites, c'est-à-dire tu vois comment il marche avec Dieu et tu le suis pour avoir la même fin. Donc, tu as des modèles de fin. Tu as des modèles de fin.
J'avais des tontons. Aujourd'hui, en tout cas, qui avaient beaucoup d'argent. Et dans le temps, c'était les plus jolies filles de la capitale qui venaient. N'est-ce pas? Donc, les plus jolies filles, ça coûte cher aussi. Voilà, ça coûte cher, ça dépense beaucoup. Ils ont eu beaucoup d'argent. Mais c'est beaucoup sorti. Ça a entretenu beaucoup. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à manger. Ça, c'est comment? Quelle est cette fin-là? Vous voyez? Il y a des modèles. Ils ont eu de l'argent. Ils ont eu des titres. Ils ont eu des postes. Ça veut dire Dieu leur a donné ce qu'il devait leur donner. Au lieu de focaliser sur la famille et sur les réalisations pour le futur, pour les enfants, ils ont investi dans des go. Donc, tel c'est ça, vient, l'argent sort. Tel autre, tu vois, l'argent sort. Mais ta fin, tu as programmé. C'est la fin qu'il faut voir. C'est beau aujourd'hui, ça brille aujourd'hui, mais la fin sera comment? Tout cet argent gaspillé dans les go et dans les bureaux, si ça avait été économisé peut-être pour bâtir un bâtiment, aujourd'hui tu es en train de manger. Il y en a qui vivent sans planifier la fin. Ils pensent que Dieu sera là, c'est-à-dire qu'on va toujours te donner, tu auras toujours la même force. Non, tout diminue, tout évolue, tout change, tout progresse. Ce que tu reçois aujourd'hui là, il faut faire fructifier au maximum pour construire la fin. Il faut construire la fin. N'oublie pas la fin. N'oublie pas la fin. La fin vaut mieux que le commencement. Il y a des imitateurs. De nos jours, vous pouvez regarder. Si vous vivez comme vos tontons, si vous vivez comme vos tantes que vous voyez, vous allez voir. Il y a des fins. Chacun a son modèle dans sa famille. Chacun a un modèle. N'est-ce pas? Mais les bons modèles sont ceux qui sont avec Dieu. Oui, les bons modèles sont ceux qui ont marché avec Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas Dieu, mais qui avaient quand même des comportements qui étaient semblables, qui s'approchaient de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit quoi? Les lois étaient écrites dans leur cœur. Donc, malgré qu'ils soient des païens, ils ont vécu selon Dieu. Oui, il y a des parents comme ça au village. D'autres ont 3, 4, 5 femmes, mais il y a des parents qui sont restés avec leur seule femme et qui sont concentrés sur leurs enfants. Pourtant, le village permet que tu aies 2 ou 3 ou 4 ou 5 femmes. Mais eux, ils ne sont pas rentrés dans ça. Ils sont restés avec leurs femmes, ils se sont concentrés sur leurs enfants et ils ont fait évoluer leur famille. Donc, ils n'ont pas forcément eu contact avec la Bible. Mais en eux, il y avait quand même la pratique de la parole de Dieu. Dieu dit quoi? Il a écrit les paroles dans leur cœur. Donc, ceux-là, ils ont vécu selon Dieu. Donc, il y a des manières de vivre pour avoir une bonne fin. Et il y a des manières de vivre pour finir en tapette, quels que soient les milliards. Ce n'est pas des milliards d'aujourd'hui qui vont c'est-à-dire qui vont assurer ta fin de demain si tu ne marches pas avec Dieu comme il faut. La fin vaut mieux que le commencement. Lisons Psaume 23, 6. Psaume chapitre 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Reprends le passage. C'est-à-dire que, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, alors le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que je serai toujours dans le bonheur parce que je prends l'engagement de me planter dans la maison de l'Éternel, de Dieu pour l'éternité. Parce que auprès de Dieu, je serai toujours nourri. Je serai toujours arrosé. Je serai toujours sécurisé. Je serai toujours protégé. C'est pour ça que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que le bonheur et la grâce sont avec Dieu. Et tu sors de la présence de Dieu, ils ne vont pas t'accompagner. Ils ne t'accompagnent que lorsque tu es planté auprès de Dieu. Donc le bonheur et la grâce, quand tu récites, ils m'accompagneront tous les jours parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Et je vous dis, habiter avec Dieu, c'est être dans la maison de Dieu pour pratiquer la parole de Dieu. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas venir à l'église seulement. Ce n'est pas venir se présenter devant Dieu seulement. Mais il dit quoi? Celui qui m'aime là, celui qui fait ma volonté, qui pratique ma parole. Donc c'est celui qui pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours une parole qui va aller en contradiction, en opposition avec la parole, avec ta volonté. Ce n'est jamais ta volonté, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle la volonté de Dieu. Donc quand ça vient contre ta volonté, tu ne dis pas que non, ça c'est pas Dieu.
Quand on veut faire pour nous là, on trouve que non, non, c'est là. Non, peut-être que Dieu n'a pas. Non, non, ça c'est pas Dieu. Non, c'est pas comme ça, ça peut. Non, c'est pas. C'est-à-dire, on trouve toujours des raisons pour nous-mêmes appliquer notre propre volonté. Et puis après, accuser Dieu quand ça ne marche pas. Non. La volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté et elle doit se pratiquer, c'est-à-dire s'appliquer sans discussion. Parce que c'est celle-là qui donne le bon résultat. Donc le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours tant que nous vivrons auprès du Seigneur. Donc je dis quoi? Tout a une fin. Mais il y a une seule chose qui n'a pas de fin. Tout a une fin. Mais il y a un seul élément qui n'a pas de fin. Lisons Ésaïe 51, verset 6. Ésaïe 51, verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouissent comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habits périront comme des mouches. Les habitants et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Amen. Vous avez compris, non? Le ciel va disparaître. La terre aura une fin. Mais le salut de Dieu durera éternellement et la justice de Dieu. Donc tout a une fin, mais une seule chose, c'est le salut de Dieu qui sera éternel. La justice de Dieu sera éternelle. Tant que tu as le salut de Dieu, toi, tu vas aller dans l'éternité avec Dieu. Quand on va passer de l'autre côté, quand il va finir de détruire ce monde, tu auras l'occasion de pouvoir passer de l'autre côté et maintenant de vivre éternellement avec lui. Lisons Hébreux 3, 14. Ensuite, 1 Pierre 4, 7 pour terminer. Hébreux chapitre 3, le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Donc tu participeras à cette fin qui est éternelle, pourvu que l'assurance que tu as eue dès le commencement, tu restes ferme jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Pourvu que tu sois ferme dans cette foi-là jusqu'à la fin, alors tu pourras participer à ce nouveau règne-là qui n'aura pas de fin. C'est-à-dire le salut et la justice. Mais tu as commencé bien avec le Seigneur, n'abandonne pas en route. Sache que tu as un objectif à atteindre. C'est un objectif de gloire et de bonheur éternel. Donc reste focalisé, reste connecté à Dieu pour toujours. Pour que pour toi aussi, tu passes dans l'éternité. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Ça, c'est le verset de la fin, n'est-ce pas? Pour vous rappeler que la fin de toutes choses est proche. Il dit quoi? Soyez sages. Ça, c'est pas bon conseil, ça. Soyez sages. En tout cas, soyez sages, parce que la fin est proche. Non seulement soyez sages, si tu es encore dans le désordre, rectifie-toi. Et puis, il faut maintenant vaquer à la prière. Il faut t'investir dans plus de prières. Parce que la prière va te fortifier, fortifier ton âme, fortifier ton physique, n'est-ce pas, pour te garder. Sans la prière, le corps va vouloir faire des choses que l'esprit ne veut pas. Le corps va te pousser dans des actions qui ne glorifient pas le Seigneur. Sans la prière, le corps est faible. La chair est faible sans la prière. Mais avec plus de prière, tu fortifies la chair. Et maintenant, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et non par ta chair. Donc, il dit, la fin est proche. Soyez sages. Et puis quoi? Fortifiez-vous dans la prière. Gloire à Jésus. Le commencement avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Donc, comme je te l'ai dit, si ton commencement aujourd'hui est pénible, s'il est difficile, s'il est
comment qu'est-ce que je peux dire encore? Si tu es dans la souffrance, c'est tout à fait normal que ce soit difficile. Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans une situation qui est déjà agréable? Dieu ne pourra intervenir que lorsque il doit se manifester comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit se glorifier dans ton cas. N'est-ce pas? Permets à Dieu de se glorifier dans ton cas pour que tu aies un témoignage de la bonté de Dieu envers toi. Donc la situation difficile et pénible ne doit pas t'ébranler. C'est une étape. N'est-ce pas? C'est vrai que quand ça te cogne, tu peux être affaibli. Mais quand tu tombes, il faut te relever. On dit le juif va tomber combien de fois? Et il va se relever combien de fois? 7 fois. Donc même si tu tombes 7 fois, tous les jours que tu tombes, relève-toi 7 fois. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Le Seigneur nous aime. Il nous protège. Il nous garde. Et il nous conduit. Que Dieu vous bénisse. La fin de chaque chose vaut mieux que son commencement. Le message de ce matin, je ne peux pas en dire d'autre. Parce que c'est comme si maman s'est adressée directement à moi. C'est ma vie que maman a relatée. Donc je rends grâce à Dieu pour sa vie. C'est comme si on était en esprit et que quelqu'un lui a dit quelque chose sur ma vie. Mais ce que j'ai appris, ce que maintenant j'ai appris, j'attrape cette opportunité pour ma vie. Parce que même si je suis tombée, je vais me relever. Puisque on dit le juste peut tomber 7 fois. Il peut se relever 7 fois. Donc ce message me concerne directement. Donc j'attrape cette opportunité pour que ma fin soit meilleure que mon commencement. Ce matin, nous avons été bénis spécialement par ce message. Parce que le thème qu'elle a donné aujourd'hui, c'est un thème de choix. Nous avons pour habitude de réciter l'Ecclésiaste 7:8 sans vraiment comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le pasteur Sylvia nous a vraiment décortiqué ce message et moi, véritablement, je me sens béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai trouvé le message plein de révélations et ça a été pour moi vraiment très édifiant. Ça m'a bouleversé quoi. Ça m'a bouleversé et je pars vraiment satisfait, plein de convictions et ça sera un nouvel engagement pour moi avec le Seigneur. Je vous remercie. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Le message est bienvenu pour que nous puissions vraiment prendre les choses à cœur. Même dans le commencement, si tu as des difficultés, tu as des problèmes, il faut que Dieu s'associe à ce que tu fais. Et la fin, tu auras la victoire et tu seras glorieux. Merci pour le message. Je bénis maman Sylviane qui a porté le message, que le Seigneur la bénisse et qu'il la fortifie davantage. Amen. Je suis de passage à Abidjan. On ne m'a pas invité, mais je connais Pasteur Sylviane par la télévision, TV. Et quand j'arrivais à Abidjan, je tenais à la voir vraiment le face à face. Quoi. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit vraiment aujourd'hui, que mieux vaut la fin que le commencement. Ça m'a touchée parce que j'ai vécu tant de choses aussi. Mais je suis très contente d'être là. Je suis très, très contente. Et je crois, quand je serai à Abidjan, je ne manquerai pas de passer à Bénin TV, malgré que je suis chrétienne catholique. Mais je viens prier avec vous. Merci. Vraiment, j'ai été vraiment impacté. J'ai été vraiment nourri par la parole de ce matin. Et vraiment, ça m'a donné beaucoup de motivation, motif de motivation à ce thème. Et vraiment, je m'en réjouis énormément.
tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebenediction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.